Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Poterie qui va ce soir parler des marchés de potiers. C'est un thème qu'on devait traiter, qu'on traite maintenant. Ça fait longtemps qu'on nous le demande parce que tout simplement parce que dans la céramique, vendre ses pièces sur des marchés de potiers, c'est la façon la plus traditionnelle de faire. Donc pour parler de ça, ce soir on va recevoir trois céramistes qui ont l'habitude de vendre sur les marchés. Donc on va recevoir Nathalie Charrier qui est plutôt dans le sud-ouest, Colline Zanata qui elle est dans l'est et Guillaume Garès lui qui est dans le nord, allez on peut dire dans le nord en Bretagne. Bonsoir à tous les trois et ravie de vous recevoir sur ce Café Poterie. Bonsoir. C'est bon, tout le monde Bonsoir. m'entend? Allez, Oui. parfait. Donc on va commencer cette émission sur les marchés de potiers. C'est une émission que je devais faire depuis longtemps. On avait parlé de comment vendre sur Internet, comment vendre à ci, à ça. Et c'est toi, Colline, justement, qui avais envoyé un message pour me faire remarquer qu'on n'avait pas parlé des marchés de potiers. Et c'est un thème que j'avais voulu traiter en mai dernier, mais je n'avais pas finalement trouvé de céramiste pour en parler. Donc c'est super que vous soyez là ce soir. Donc pour commencer, la première question c'est qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît pour vendre sur ces marchés? À toi Nathalie. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors moi, je fais des marchés depuis 2019, donc c'est quand même assez récent. Et ce que j'ai découvert et que j'ignorais totalement, voilà, c'est surtout la communauté de céramistes qui se retrouvent dans les marchés potiers. Et ça a été vraiment de belles rencontres. À chaque fois, un esprit de solidarité, d'entraide, d'échange. C'est vraiment, je crois, ce que je préfère. Ensuite, il y a le fait aussi de sortir un peu de sa bulle, de son atelier, pour montrer son travail. C'est vraiment un rapport direct et très simple avec le public. Donc, tu arrives avec ton stand, avec tes pièces, et puis tu peux discuter avec les gens, ça c'est aussi très agréable. Voilà, donc ce que je préfère. Ok. À toi, Guillaume. Moi, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'a dit Nathalie. Moi, la première fois que j'ai été sur un marché de potiers, c'était grâce à ma formation au DMA à Antibes. Et du coup, c'était sur le marché de potiers de Bandol. On était bénévoles pendant 3 jours. Alors déjà, pour ceux qui connaissent les pantins potiers, je leur fais un gros bisou d'ailleurs. Ils sont, c'est un groupe qui est là depuis... Cette année, ça va faire 40 ans. Donc, le marché existe depuis 40 ans et c'est un des marchés où l'ambiance était le plus bonnard parce qu'on était des petits jeunes, on savait pas trop ce que c'était la céramique, on venait juste de commencer notre formation et direct ils nous ont pris sous notre aile, ils ont regardé un peu ce qu'on savait, ils nous ont expliqué leur production et on tenait leur stand pendant qu'ils allaient boire un café, aller aux toilettes, tout ça. Et c'était assez formidable. Ouais, c'était vraiment bienveillant, quoi. Et c'est ça, super bienveillant. Et ouais, ce qui revient le plus, je pense, chez les céramistes par rapport à d'autres groupuscules que de métiers d'art ou même autres du bâtiment ou quoi, c'est qu'on est vachement soudés, on est vachement solidaires. C'est un milieu qui est très bienveillant, très humble. Et c'est hyper agréable en fait d'être sur un marché de potiers parce que voilà, tout le monde voilà, partage un petit repas le midi, on boit l'apéro ensemble, on mange ensemble le soir, on se raconte toutes nos galères, toutes nos histoires parce qu'il y en a plein, hein. Et voilà, c'est super. C'est super les marchés. Faites des marchés. Et toi, Pauline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, tout a été un peu dit, mais c'est vrai que c'est déjà sortir et montrer son travail, ça c'est quand même vraiment, c'est vraiment, enfin, c'est hyper important. Et puis oui, moi j'ai été super étonnée de l'accueil et des rencontres que j'ai faites. Et puis il y a des gens que je retrouve que sur ces marchés, et je suis trop contente de me dire, ah, je vais aller sur ce marché-là parce que je vais pouvoir revoir telle ou telle personne. Parce que soit on habite trop loin, soit voilà, on prend pas forcément le temps. Et puis quand on est jeune potier ou potière, en fait c'est hyper impressionnant, mais on est hyper bien accueilli. Et voilà.
Oui, c'est vrai que la première fois, le premier pas, faire un marché la première fois, c'est pas évident que ce soit le regard des autres potiers ou même le regard du public. Quelle est pour vous la différence entre un marché de potiers et un salon de céramique? À toi, Guillaume. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Moi, au premier abord, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, bah, il y en a un où tu es dehors avec ton parapluie un peu au gré du vent, et l'autre où tu es bien au chaud à l'intérieur. Donc, c'est souvent voilà, lié à une saisonnalité, on va dire. Après, il y a des gros courageux, notamment au marché du Mans, qui se passe souvent le dernier week-end avant Noël, où ouais, faut être bien, bien courageux, hein. J'ai déjà entendu parler de gel ou de neige sur le stand. C'est vrai que le salon, t'es un peu plus serein, on va dire. Tu sais que tu vas être avec ton emplacement, tu sais que tu vas avoir une petite, comment dire, un espace tout propre, tout bien, normalement, on va dire. Et je sais pas, pour moi, c'est peut-être une affaire de standing. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça standing parce qu'il y a des très grands marchés de potiers qui sont Oui, c'est peut-être plus populaire, on va dire voilà. C'est populaire dans peut-être le plus bon sens. populaire, ouais, voilà, c'est ça. Et après, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est les salons, c'est plus des choses qui vont être liées au métier d'art. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup que de salons de céramique. Il y en a, évidemment, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. On a plus de marchés. Mais Ok. c'est mon avis, voilà. À toi, Pauline. Oui, moi, je trouve que les marchés de potiers, ça fait un peu plus, je ne sais pas comment dire, traditionnel ou rustique, mais il y a un côté plus convivial. C'est vrai qu'on mange tous ensemble le midi, il n'y a que des céramistes et on est souvent dehors. Et les salons, pour moi, ça fait un peu plus classe et peut-être pas les mêmes productions qui y vont. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai une production très utilitaire en petite série et c'est vrai que je trouve plus ma place dans les marchés que sur un salon. Voilà. Ok. T'as quelque chose à rajouter, Nathalie? Moi, il me semble que les marchés potiers sont plus souvent organisés par des associations de céramistes. Voilà, alors que les salons seront peut-être professionnels, organisés par des gens plus structurés, professionnels. Et les marchés ont plus souvent lieu l'été, donc on peut s'attendre à avoir peut-être une fréquentation plus touristique que dans les salons. On va avoir des gens plus avertis. Des fois, il faut payer pour entrer dans un salon, donc déjà, ça filtre beaucoup à l'entrée. Donc peut-être, voilà, oui, ce que tu disais aussi tout à l'heure, Colline, c'est un public plus populaire et ouais, un esprit plus détendu sur les marchés potiers. Donc on va parler déjà de postuler au marché. Donc toi Guillaume, tu disais ouais, que le marché, donc le premier marché auquel tu as participé, c'était en tant qu'aide, donc c'était quand tu étais en formation. Et Ça. quand tu as commencé à vendre tes pièces, c'est quoi C'est le aussi truc? le premier marché que j'ai fait, parce que c'était D'accord. important dans mon cœur aussi. C'est des gens que vraiment j'apprécie beaucoup. Et c'est moi, j'ai du coup appris à Antibes, donc c'est un peu le premier pas vers la professionnalisation que j'ai vu, on va dire. Et c'est vrai que c'était l'occasion. Après, j'ai fait quelques marchés en Bretagne, j'en ai fait à Paris. Alors, je sais pas si vraiment on peut appeler ça des marchés ou des salons, mais j'ai fait vraiment un peu toutes sortes, des marchés de métiers d'art, des marchés, comment dire, plus art du feu, des salons art du feu, des salons métiers d'art. J'ai fait vraiment toutes sortes de choses pour, si la question de base c'était pour postuler sur les marchés, parce que je vois que je bégare super vite. La première question, c'était seulement, c'était quoi ton premier Ah, c'est marché? quoi le premier marché? Ouais, Bandol, Bandol, forcément. Forcément, Ok. Bandol. Toi, Nathalie? Moi, je ne peux pas dire que c'était vraiment un marché, c'était un salon des arts et du feu à Marteau-Tolosane. Mon premier vrai marché potier, ça a été à Gérousens. Ok. Et toi, Colline? Alors, moi, je crois que c'était à Die, dans le Diois, dans la Drôme.
D'accord. Donc aujourd'hui, qui peut participer au marché de Poitiers? Est-ce qu'il faut être inscrit aux différentes associations qui font partie du collectif national des céramistes ou pas forcément? À toi, Colline. Alors moi j'aurais dit pas forcément. Il faut être inscrit en tant que potier, potière à son compte, que ce soit son métier principal, je crois. Et nous, on n'est pas obligé d'être inscrit à une association ou un collectif particulier. Ok. Nathalie, t'es... Non, je crois que Colline a bien répondu. Effectivement, c'est accessible à tout le monde, pour peu qu'on soit professionnel, qu'on ait une assurance et qu'on puisse produire voilà, les documents administratifs qui sont demandés. Après, c'est juste sur sélection. Donc, voilà, c'est la qualité du travail qui fait qu'on ira ou non sur un marché potier. Ok. Guillaume, est-ce que tu sais quand postuler et où trouver la liste des marchés? Où est-ce qu'on peut postuler? Alors, les associations qui sont ou pas d'ailleurs liées au CNC, l'association de céramistes notamment, sont pas mal, comment dire, elles ont souvent des sites où on peut trouver la liste des marchés qu'elles organisent ou que les personnes, comment dire, qui sont enregistrées peuvent trouver comment dire, leurs différents dossiers de candidature. Donc ça existe un peu partout, hein. Il y a un calendrier du CNC qui existe. Tous les événements qui sont dessus ne sont pas forcément liés au CNC, mais du coup, il permet de répertorier déjà tous ceux qui existent dans la région où on envisage, on va dire, de faire des marchés. Et après, ça va être un peu de travail de recherche, de trouver les personnes qui s'en occupent. Donc c'est souvent des potiers, mais c'est pas tout le temps le cas. Et après faire en sorte, voilà, de se faire connaître, soit d'envoyer un dossier, soit de comment dire, d'envoyer un mail pour savoir, voilà, si on peut recevoir le dossier de candidature. Ok. Nathalie, est-ce que tu sais quel est le prix approximatif des marchés pour postuler après, j'imagine que ça varie en fonction des marchés, mais quel budget moyen est-ce qu'il faut compter? Alors, je dirais que c'est aux alentours de 160 euros pour un marché. Ça dépend s'il y a 2-3 jours, ça peut varier entre 150 et 200 euros. Ensuite, les salons ou les marchés à Paris, par exemple, c'est plus autour de 700 euros. Et les salons, ça peut être bien plus cher. Ça peut aller à plusieurs milliers d'euros. Voilà. D'accord. Je ne sais pas ce Ok. qu'en pense l'autre. Bah, après, si je peux me permettre, il y a des marchés d'une journée qui sont autour de 80, enfin qui peuvent être en dessous de 100 euros. Hein, Oui. ouais, par contre. Moi, j'en connais de 2 jours qui m'ont coûté 50 euros, par exemple. Mais après, voilà, ça dépend comment c'est organisé, ça dépend par qui, combien il y a eu de temps de bénévolat, tout ça, quoi. Oui, ça C'est. dépend, oui, peut-être aussi du type de marché, si c'est des plus gros, des plus petits, peut-être que ça fait varier le prix. C'est ça. Bah après, il y a, voilà, Girosens, Bussière-Badille notamment, c'était plus cher. Bandol, c'est 138 euros. Après, les Arts du Feu, c'est 380, je crois. Donc, il y a vraiment, Saint-Sulpice, c'est 620, si on ne prend pas d'option, on va dire. Oui, parce qu'après, Et tu peux avoir des options par rapport aux places et tout. c'est ça. Après, ça dépend vraiment de l'organisation, tu vois. Ça dépend si tu prends des repas, ça dépend si tu prends des. Si par exemple à Saint-Sulpice, tu peux prendre des couleurs différentes pour ton stand. Souvent, c'est les repas, on va dire, qui changent beaucoup. Après, le droit de place, par exemple, nous en Bretagne, on a 90 pour les adhérents et 110 pour les non-adhérents. Et ça ne comprend pas le repas, ça comprend juste le prix de la place. Après, voilà, il y a vraiment des organisations qui sont faites différemment. Donc, c'est vrai que c'est très changeant.
Donc c'est pour ça que c'est assez génial, c'est que voilà, on va de 500 à 50 €, c'est cool, hein. Et voilà, au final, chacun peut trouver, C'est chacun ça. peut trouver son compte en fonction du budget. Et aussi, après, peut-être aussi en fonction, choisir après son marché, comme vous disiez, en fonction du type de pièce qu'il va proposer, quoi. C'est ça. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des démarches à faire pour postuler. Toi, Colline, par exemple, quand tu postules au marché, qu'est-ce qu'il y a comme démarche particulière à effectuer? Alors, soit on envoie par mail à une adresse spéciale, donc tout par mail, soit il y a un questionnaire en ligne déjà, ça peut être changeant. Et la base, c'est en général 4-5 photos de production qu'on va présenter au marché, pas forcément actuelle, mais qu'on proposera au marché. Et puis une photo du stand. Enfin, du matériel et tout, Et ouais, voilà. du matériel que tu vas amener sur le marché, quoi. Ouais, même installer dans un, enfin une photo d'un marché qu'on a déjà fait. Et si on n'a pas déjà fait, il y a une photo de notre stand avec des poteries dessus. Et puis, bah après tous les papiers, numéro de Siret, assurance, tout ça. En Ok. général, c'est la base. Ouais. D'accord. Ça. Certains demandent une carte d'artisan, je crois, à la CMA. Je sais pas si c'est la carte, comment que ça s'appelle, pour ceux qui sortent dehors. Ah, je sais plus le nom. Pas quand même, mais des fois ils le demandent. En fait, on est censé la voir, je crois, quand C'est on. ça. En fait, t'es censé l'avoir sur chaque événement que tu fais. Et C'est quoi? certains la C'est demandent, d'autres la demandent pas. une carte que tu dois demander à la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est ça? Exactement. Et que du coup, qui te permet de sortir, de déballer, en fait. Je sais plus comment, c'est un nom spécifique, un petit peu comme les camelots, tu vois, je sais plus comment que ça s'appelle, mais c'est une carte de déballage, en gros, qui te dit, bah oui, Elle dit carte de marchand ambulant. c'est ça, marchand ambulant, tout à fait. Et donc pour avoir cette carte, qu'est-ce qu'on doit présenter? On doit juste demander ça à la CMA. En général, il y a une. Enfin, en gros, la CMA fait en sorte qu'on soit assuré pour le déballage extérieur, mais encore, je suis même pas sûr. Ça doit être une quinzaine d'euros. Peut-être ça a augmenté depuis, mais. Une quinzaine d'euros pour l'année, quoi, et que tu dois renouveler chaque Oui, c'est année. ça, ouais. Ok. Nathalie, toi, tu fais partie donc des membres organisateurs de Girosens. Donc, tu dois recevoir justement, comme elle disait Colline, tous ces dossiers-là de candidature. Oui. Comment vous choisissez? Déjà, on se retrouve en général autour d'un bon repas et puis on s'apprête à passer 2 jours ensemble pour sélectionner les candidats. Alors, on regarde d'abord que tous les papiers soient en règle, parce que c'est pas forcément évident. Souvent, les jeunes céramistes, ils sont un peu perdus, soit ils n'ont jamais fait de marché, donc il faut les guider un peu sur les papiers qu'ils doivent produire. En général, si c'est un problème administratif, on essaie d'accompagner. Et voilà, ensuite, on se retrouve et on regarde toutes les photos. Donc, comme disait Colline, on demande en général 4-5 photos. Une photo de stand, c'est vraiment important pour voir l'harmonie générale du stand. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des belles productions, mais ils vont pas du tout les mettre en valeur. Ils ont une pauvre table et c'est un peu pénalisant pour eux. Donc voilà, faut avoir un stand. Et puis, donc on regarde tout ça. On fait un premier tour de sélection avec ceux dont on est sûr. On fait un deuxième tour. Ensuite, on contacte les personnes. Bien sûr, tout le monde ne répond pas ou ne peut pas venir. Donc après, on descend dans la liste des sélectionnés jusqu'à atteindre notre quorum. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on atteint. À Girosens, on est 69 exposants. Et Ok. on a environ 150-200 dossiers qui arrivent. Voilà. Ok, et vous prenez, t'as un ratio entre l'utilitaire, les sculptures? Oui, on essaye d'avoir une proposition assez variée. C'est vrai que
On essaie d'axer à Jupiter, en tout cas, on essaie d'axer sur la sculpture. On a d'ailleurs un carré sculpture, on réserve 4 emplacements à des sculpteurs. Et ensuite, voilà, des bijoux céramiques, de l'utilitaire. On essaie de ne pas mettre côte à côte, bien sûr, des gens qui ont la même pratique pour que ça donne une impression de variété et que le public s'y retrouve. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des places pour les membres de l'association. Donc le festival de Jurussen, c'est organisé par l'association Terre et Terre. Et les membres de l'association ont par rotation le droit de participer au marché. Voilà, donc certaines places leur sont réservées et ensuite c'est tout le reste des participants, des Ok. candidats. Est-ce que vous avez une autre méthode de procéder sur les marchés dans vos régions? Ou est-ce que c'est à peu près les mêmes critères, la même façon de faire pour les sélections? Vas-y, Colline, si tu veux commencer. Oui, nous, en tout cas, le marché qu'on organise à Grenoble, c'est similaire, ouais, c'est pareil. C'est souvent en Bretagne, c'est souvent les mêmes. Les mêmes critères, c'est voilà, c'est les critères esthétiques, techniques, voilà, pas mettre de production similaire à côté, enfin similaire, on va dire, Oui, qui se ressemble, quoi, même. qui ont la même technique, mais ouais, c'est toujours une galère parce qu'on adore beaucoup de production et on est obligé donc il faut jamais le prendre mal quand on est refusé sur un marché. Parce que ça veut dire qu'il y en a d'autres et peut-être qu'on ira la fois d'après. Enfin, c'est vrai que souvent, des fois, on reçoit des messages un peu violents en tant qu'organisateur et c'est pas toujours très sympa quand on est bénévole toute l'année de recevoir ce genre de messages-là. On fait du mieux qu'on peut, on va dire, et on essaie d'inviter le plus de choses diversifiées possible, quoi. Oui, parce que j'ai eu des retours donc, sur les questions que je posais en story sur Instagram qui disaient oui, pourquoi est-ce qu'on retrouve souvent les mêmes céramistes sur les marchés? Ben, toi, tu dirais quoi? T'en dirais quoi, ben, allez, Nathalie? Je dois dire que pour reparler de la sélection, c'est pas souvent le critère subjectif. Bon, il entre un peu en ligne de compte, mais c'est pas l'essentiel. On s'attache à la cohérence de la production, même si c'est pas forcément ce que tu apprécies. Enfin, moi, si c'est cohérent, si c'est un travail professionnel qui a une singularité, qui se tient. Je vote pour, même si ça ne me plaît pas forcément. Après, pourquoi est-ce qu'on retrouve les mêmes céramistes? Je suppose qu'il y a des céramistes qui aiment bien certains marchés aussi, qui aiment y retourner, qui ont leurs habitudes, qui ont leur clientèle aussi. Ça, c'est Ouais, très c'est ça. important. C'est que tu sais qu'à tel endroit, tu vas mieux vendre ou moins bien. Donc, forcément, tu te diriges vers certains marchés. C'est peut-être ce qui fait qu'on les voit un peu régulièrement. Je sais pas, j'ai pas d'autres éléments de réponse. Est-ce que toi, Colline, t'aurais Oui, je d'autres? pense qu'il y a des marchés qu'on aime bien, où on aime bien retourner. Moi, je sais qu'il y en a comme ça, un peu des chouchous. Et après, peut-être que dans une même région, c'est souvent les mêmes parce qu'aussi, on fait parfois le choix de ne pas bouger trop loin. Enfin, moi, je sais que maintenant, j'essaye de rester dans le coin parce qu'en fait, ça me suffit déjà largement. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, c'est que c'est souvent les mêmes qui sont dans les marchés de la même région. Après, non, j'aurais pas d'autres réponses à cette question. Ok. Rien à rajouter, Guillaume? On est bon? Non, ça a été suffisamment abordé. Je pense qu'en ouais, en Bretagne, on a à peu près les mêmes soucis que chez Colline en Isère. Voilà, forcément, il y a quelques marchés et forcément, il y a des céramistes qui vont tourner sur les différents marchés. Donc, des fois, ça tombe mal parce qu'on voit le même céramiste sur presque tous les marchés de Bretagne parce que voilà, il a été dans son année, comme on disait tout à l'heure, où il a pu repostuler à des marchés. Parce que je ne sais pas si on l'a évoqué, mais en gros, sur certains marchés, on peut accéder 2 ans. On a une place, on va dire,
certifié si on a envie de revenir pour l'année prochaine Ah, quand sur tu es des marchés où on a sélectionné, été tu peux accepté. après, quand tu es sélectionné, Il y a, tu c'est peux sur après certains avoir. marchés, hein, c'est pas D'accord. forcément vrai sur tous, mais du coup, tu as une année, enfin, t'as souvent 2 à 3 années de pause avant de pouvoir réexposer. C'est vrai que les années où, où tu as été réaccepté, si tout tombe toujours au même moment, voilà. Donc des fois, les organisateurs s'appellent, je sais que ça se passe en Bretagne, ils s'appellent entre eux pour savoir quelle liste ils ont fait et tout ça, pour que du coup chacun puisse exposer au moins une fois sans poser de problème, quoi. Voilà. Ok. Donc vous disiez ouais, que pour le choix des céramistes, ben le stand c'est quand même super important. Qu'est-ce que vous prenez vous comme stand? Quel équipement est-ce que vous avez choisi? Ben à toi, Colline. Alors, pendant 3 ans, moi, j'ai eu un stand qu'on m'a fabriqué. J'avais dessiné et c'est quelqu'un de ma famille qui me l'avait fait. Donc, en bois assez simple, qui se pliait très facilement, qui se rangeait très facilement. Et en bois plutôt clair. Et puis, je voulais changer pour un bois plus foncé, puis avec un design complètement différent. Et je l'ai dessiné aussi et je l'ai fait faire par une autre personne que je connais très bien. Et donc là, en bois et en métal. Donc après, c'est soit on a une image très précise de ce qu'on veut, soit pas. Moi, je savais exactement ce que je voulais, donc j'ai pu le faire faire vraiment sur mesure à l'image de ce que j'avais dans la tête, quoi. Et Voilà. t'as choisi quoi comme dimension de stand? Alors, c'est 3 modules qui font en fait 95 de large parce que souvent, moi, les marchés que j'ai faits, c'était souvent entre 3 et 4 mètres de linéaire qu'on pouvait utiliser. Donc, j'ai dimensionné ça de manière à ce que si j'ai 3 mètres, ça rentre et si j'ai 4 mètres, j'espace un peu. Donc, c'est des modules donc, de 95 de large et qui font à peu près 2 mètres de haut, comme des étagères un peu. Donc, il y en a à niveau d'œil et puis un peu plus bas. Je me souviens plus de ta question, mais voilà. Non, c'était ça. Parfait. Ouais. Toi, Nathalie, qu'est-ce que t'as comme stand? Je suis partie de très loin. Au début, j'avais vaguement des tables blanches. Au début, elles étaient blanches, après, elles ont vite terni. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. Ça mettait vraiment pas en valeur les pièces. Donc, j'ai demandé à mon cousin qui est ferronnier de me fabriquer un stand en lui donnant des contraintes, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit escamotable, facilement rangeable, parce que je fais les marchés toute seule. Donc, c'est quand même très physique de sortir le stand, de le monter pour que ce soit fait assez rapidement. Et puis, je voulais que ce soit réglable en hauteur. Donc au début, j'ai opté pour des longueurs, un peu des tables en longueur, avec des sellettes un peu plus hautes, une table basse pour les grandes pièces, pour une grande pièce. Et je me suis rendu compte que bon, c'était un peu trop linéaire, justement, ça se prêtait pas vraiment au travail que je présentais. Je fais de la sculpture, donc cette année, j'ai fait refaire des sellettes gigognes qui puissent s'encastrer les unes dans les autres, enfin, toujours pour une question d'économie de place dans le camion. Et voilà, et ces sellettes, je peux les disposer plus facilement pour mettre en valeur des pièces et puis surtout pour essayer de créer une circulation dans le stand aussi. Pour pas que ben, les gens aient un rapport non plus trop frontal avec le stand, qu'ils puissent circuler, faire le tour de certaines pièces. Oui, et puis même peut-être pour toi, pour pas forcément être derrière le stand, comme si tu étais derrière un bureau, quoi. Des fois, ça peut être un peu. Exactement, mais c'est super important de réfléchir à son stand. Il y a même pour certains salons, il y a des céramistes qui font leur stand, qui pensent le stand pour des salons. Je pense à Maison et Objets, Résonance, Révélation. Là, tu réfléchis vraiment ton stand. Tu sais que tu auras très peu de pièces à présenter parce que souvent tu as peu d'espace. Donc, il faut que ça se démarque du reste. Voilà. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que t'as? Moi, je suis passé par plein de phases différentes. Quand j'ai commencé, j'avais des grandes jarres en porcelaine émaillée et je les présentais sur des tubes PVC avec deux rondos, on va dire, collés dessus. Donc, ça me faisait, mais comme je voulais des tubes ronds, enfin, en tout cas, des plots ronds.
C'était pas forcément idéal, je vous avoue, ni que ça soit en praticité, Oui, même ni pour stocker en. tout. Oui, pour Voilà, pour transporter, stocker, quoi. c'était tout l'horreur. Enfin, même s'ils étaient un peu gigognes, c'était voilà, c'était pas une bonne idée en y réfléchissant. Donc, je suis parti après sur l'utilitaire en arrivant à Lannion. Et donc là, je me suis construit un vrai stand avec, enfin, un vrai stand de marché. Je voyais tous les céramistes qui présentaient de la cavalerie, comme j'appelle ça, c'est-à-dire voilà, petit saladier, grand saladier, petite tasse, grande tasse, l'artillerie lourde, on va dire. Et eux, ils avaient toujours des murs de peau, donc c'est-à-dire des grandes tables escamotables que tu peux ranger assez facilement. Et du coup, je me suis fait ça, c'est-à-dire des grands plots qui font 1 mètre par 80 et par 80 de profondeur, sur Ouais, c'est lequel je vais vrai. mettre d'autres petits plots aussi. Et l'important, c'est aussi de monter en hauteur, comme disait Colline, à hauteur d'yeux, avoir des choses plus basses aussi. En tout cas, quand tu vends de la cavalerie comme ça, quand tu vends de l'utilitaire, c'est vrai que c'est vachement important qu'il y en ait beaucoup. Quand tu vends de la sculpture, du coup, ça c'est ma nouvelle lubie. J'ai présente du coup que quelques pièces sur mon stand. Je dois en présenter peut-être une dizaine, parce que c'est des pièces un peu grandes quand même, enfin on va dire moyenne pièce. Et du coup, j'ai des plots en bois qui sont bruts, en bois brut, et qui vont bien du coup avec ces pièces-là. Parce que c'est des pièces qui sont blanches, donc sur mon stand blanc, avec 100, enfin là vraiment sur des petites pièces, c'était à hauteur d'œil. Là pour le coup, vu que c'est des pièces assez hautes, bah, c'est bien que ça soit à peu près proche du sol pour qu'elles soient à hauteur d'œil une fois finies, quoi. Donc il y a plein de manières de présenter un stand. Oui, ça dépend aussi, oui, ça dépend du travail, ça Prendre des idées dépend. sur les marchés de potiers, hein. Il y a plein de bonnes idées à prendre. Mot de table, comme disait Nathalie, c'est vachement important. Ouais. Ok. Rentrer ça dans un Kangoo, c'est trop bien. Oui, d'ailleurs, vous avez quoi comme voiture? Toi, Nathalie, t'as dit que t'avais un camion, un gros camion, toi, qu'est-ce que t'as comme camion? Au début, je piquais un peu le camion des gens que je connaissais. Le tonton qui avait un camion, et puis bon, à force, quand même, ça les saoulait de me prêter leur camion à chaque fois. Donc, je loue maintenant parce que ben, je réfléchis à acheter un utilitaire, mais c'est un investissement. Et comme je fais assez peu de marché chaque année, entre 3 et 5, je trouve que c'est plus pratique de louer. Voilà. Et suivant le nombre de pièces que j'ai, je change le volume du camion. Toi, Guillaume? Pratique. Alors, quand j'avais mes plots ronds, j'avais mon vieux jumper rehaussé. Quand j'ai commencé à faire de l'autoroute avec, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, parce qu'évidemment on fait x2. Donc c'est acheter des camions qui font à moins d'un mètre 90, ou en tout cas qui passent en dessous des barres de péage, ça vous coûtera beaucoup moins cher quand vous faites des marchés et qui consomment beaucoup moins aussi, évidemment. Et donc là, je pique à chaque fois que je veux faire un marché un peu loin, notamment en région parisienne, quand on a besoin de se garer aussi en dessous de place à 1,90 m. Je pique des Kangoo de mes bons copains ou des petits utilitaires. Ouais. Mais ouais, Scudo, enfin les jumpers, enfin les bas, acheter des bas. Et toi, Colline? Moi, j'ai un transporteur rallongé, donc pour mes échelles là, en métal de 2 mètres, c'est pratique. Et voilà, avant, j'avais un transporteur aussi. Enfin, j'ai toujours eu des utilitaires. À un moment donné, je pouvais dormir dans mon camion si j'avais aussi mes affaires de marché. Donc, ça, c'était pas mal pour certains marchés. Et maintenant, je ne peux plus parce que les grandes étagères là, elles sont sur le lit. Donc, D'accord. je rentre tout, mais je ne peux plus dormir dans mon camion. Ouais, transporteur, c'est la classe. Il y Ouais, a c'est beaucoup de cool. transporteurs sur les marchés. Ouais, il y en a beaucoup. Mais ouais, c'est pas mal, ça fait 2 ans donc quoi. Ouais, c'est ça. Je reprends mes questions. Combien ouais, au niveau des stands, donc là on a parlé des stands, on a parlé du véhicule. Est-ce que vous avez des techniques particulières pour transporter vos pièces dans votre camion pour les emballer? Est-ce que vous les mettez dans des cartons et vous gardez vos cartons? Est-ce que vous les emballez comme si vous emballiez vos pièces, je sais pas, avec différents papiers bulles? Comment vous faites? À toi, Colline. Alors moi j'ai des caisses en plastique qu'on peut facilement trouver dans les magasins de bricolage qui s'empilent, tout ça.
Et je protège tout avec du papier bulle que j'ai récupéré par les colis, tout ça. Enfin, j'ai une collection de papier bulle maintenant et que je récupère toujours. Et donc, je les emballe soit une à une, soit parfois je les empile un peu. Je suis pas la meilleure pour l'emballage, mais bon, jamais de soucis. Mais bon, papier bulle à fond. Et par contre, il y avait une potière, j'avais trouvé ça chouette. Elle utilisait que du tissu, des vêtements ou que du tissu qu'elle avait récupéré. Et donc voilà, papier bulle, ça permet de voir en transparence ce qu'on a dans nos caisses. Mais voilà, moi je fais comme ça. À toi, Guillaume. Alors moi, quand j'utilisais de la porcelaine, enfin de la porcelaine utilitaire. J'emballais tout dans du bulle et dans des caisses en plastique. Et c'est des grandes caisses. Alors bon, voilà, t'en mets pas beaucoup dans le camion, t'en mets 4 ou 5, donc c'est pas mal quand t'as un petit utilitaire. Mais voilà, c'est vite lourd. Donc voilà, tu vois, si tu veux sauver ton dos, tu en utilises moins ou tu utilises des plus petites caisses aussi. J'ai vu des potiers qui avaient des grandes caisses et des petites caisses pour les pièces plus ou moins lourdes. Et maintenant, pour la sculpture, vu que c'est des pièces qui sont quand même assez grandes, elles rentrent dans aucune caisse. Donc, je me fais un espèce de Tetris avec mes plots en bois et je viens les caler avec des mousses. Et c'est vraiment le plus pratique pour pas que ça s'abîme. Des fois, elles sont emballées dans du bulle elles-mêmes, mais la plupart du temps, c'est dans la mousse directement. Ouais. Et j'ai déjà vu, comme disait Colline, une copine qui emballe tout avec du tissu, elle a plein de vieux draps, mais ou des vieilles couvertures un peu épaisses, et c'est impeccable aussi. Après, voilà, c'est un micmac aussi à enlever, hein. C'est-à-dire qu'elle passe son temps, elle est toujours la dernière à Être déballer, prête, quoi. la dernière à remballer. Donc voilà, c'est un truc aussi, Oui, c'est le temps à prévoir, car c'est le temps qu'on voit c'est pas et ça, c'est c'est le un temps petit qu'il faut temps, quoi. prévoir, quoi. Et toi, Nathalie, comment tu fais? Moi, je suis partie de loin. C'est vraiment un vrai travail en soi, l'emballage, le transport. Donc, au début, c'était la catastrophe. J'arrivais avec mes paniers à linge et mes cartons qui, à la moindre pluie, se transformaient en papier mâché. Donc voilà, j'ai plein d'amis céramistes bienveillants sur les marchés qui m'ont dit non, mais là, c'est pas possible, tu vas casser la moitié de ta production. En plus, c'est des sculptures, donc c'est compliqué à emballer. Donc j'ai essayé de professionnaliser un peu le truc. J'ai commencé à utiliser des caisses en plastique calées avec du papier bulle. Mais plus ça va, plus je me dis que la solution idéale, effectivement, c'est des mousses. Il n'y a pas besoin de suremballer, en fait. Il faut juste emballer intelligemment et bien caler aux bons endroits. Tu fais un peu de rajout de papier bulle, bien sûr, mais ce n'est pas la peine de faire des boules de papier bulle énormes parce qu'après, il faut pouvoir le rentrer dans le camion. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'au début, je mettais trop de papier bulle et puis je rentrais rien, quoi. Fallait un 10 mètres cubes pour emporter 20 pièces. Donc voilà. Au niveau du nombre de pièces que vous prévoyez pour les marchés, qu'est-ce qu'il faut donc il y a une question, qu'est-ce qu'il faut en termes de quantité, quelle est la quantité à envisager pour débuter dans les marchés de potiers, pour faire un marché de potiers? Et l'autre question qui en découle, c'est comment en fait gérer la quantité de pièces et les différentes collections aussi qu'on peut présenter sur un stand. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux tout amener et tout proposer et pour au final avoir plus de choix? Ou est-ce que, comme tu disais au tout début, Nathalie, est-ce qu'il vaut mieux avoir une cohérence et sélectionner certaines pièces en fonction des marchés? À toi, Guillaume. Alors, En plus, tu as les deux versants, toi. ouais, c'est ça. T'as Alors moi, je suis l'utilitaire et la sculpture, très, quoi. comment dire, je suis très, très fermé là-dessus, même s'il y a des exemples dans mon coin qui me font mentir. C'est que moi, je suis très mono collection. C'est-à-dire, tu veux présenter un travail, tu présentes que celui-là. Après, c'est vraiment moi personnellement parce que je trouve que des fois, un travail va manger l'autre. Parce que moi, mes différents travaux, je l'ai vu, je l'ai fait une fois une année à Saint-Sulpice.
et je n'ai vendu que mes petites pièces notamment, alors que j'avais présenté mes grosses pièces à côté. Donc vraiment sur 1 mètre carré, même si c'est juste 1 mètre carré sur 6 mètres carrés, hein, c'est celui qui va venir fixer l'attention. Après, on va dire parce que les couleurs étaient plus, on va dire, plus chatoyantes et l'autre était un peu plus terne. Mais voilà, si on veut se concentrer sur un travail et le présenter correctement, je pense il faut avoir, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, même du coup au niveau des organisateurs, avoir quelque chose qui reste homogène et lisible. C'est beaucoup plus agréable et pour les visiteurs et pour les organisateurs, je pense. Et donc, et en général, tu prévoyais combien de pièces pour un marché? Et voilà, alors, tu vois, pour la sculpture, c'est simple, là, doit y en avoir 20 maximum. Et pour l'utilitaire, j'avais entre, je sais pas, entre 60 et 150 pièces, quelque chose comme ça. Et moi, j'en ai pas beaucoup, hein. Il y en D'accord. a, y en a qui sont plus sur du 200, 250, tu vois. Ok. Donc, ouais. Voilà. Toi, Colline, tu penses quoi de ces questions? Le nombre de pièces, j'ai jamais compté. Par contre, je sais le nombre de caisses qu'il faut que j'ai à peu près. C'est ça. C'est un peu bizarre, mais c'est le volume en fait. Je sais, avec les premiers marchés que j'ai faits, je me souvenais du nombre de caisses que j'avais pris au tout début de la saison. Et je crois que j'en avais peut-être 12 ou 13. Donc c'était vraiment la première année où je m'installais. Et j'ai pu faire plusieurs marchés avec ça. Maintenant, il faut que j'en ai à peu près 12 ou 13. Pas pour chaque marché, mais voilà, je me sens confortable quand j'ai ça. Donc les grosses pièces, les saladiers énormes prennent à eux tout seuls une seule caisse. Mais par contre, les tasses, je peux en mettre beaucoup. Voilà. Et pour les collections, alors moi je suis tout en terre vernissée, terre rouge, et même là je fais du Grénoron, mais qui est aussi rouge, et ça ressemble beaucoup à... Donc tout est assez homogène, j'ai pas deux Oui, c'est ça. collections très différentes. C'est Oui, les motifs. tu as plusieurs pièces, mais tu as l'uniformité entre Oui, toutes les pièces, quoi. oui, voilà. Donc même si les motifs sont un peu différents, c'est toujours dans les mêmes couleurs, avec la même terre, tout ça, donc... J'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et toi, Nathalie? Alors moi je présente de la sculpture, donc c'est pas vrai, c'est pas de l'utilitaire, les problématiques sont différentes. Moi je présente en général entre 15 et 20 pièces. J'aime bien amener une très grande pièce, ça va être la pièce d'appel, c'est je la mets bien devant, bien en évidence, et les gens ça... J'imagine en tout cas que c'est ce qui va les attirer. Ensuite, j'ai deux, trois pièces un peu grandes, mais pas trop. Et puis des pièces moyennes et des pièces petites pour avoir aussi un peu tous les prix que les gens qui peuvent pas s'offrir une grande pièce, ils puissent aussi regarder des plus petites. Parce que vendre une grande pièce, c'est quand même pas tout le temps que ça arrive. Faut un coup de cœur, ça. Oui, c'est C'est pas réfléchi, quoi. compliqué. Après, moi, je nuancerais un peu pour l'utilitaire, en tout cas dans mes goûts, ce que j'aime bien sur les marchés. Des fois, je trouve que l'accumulation peut être aussi séduisante, hein. Où tu as envie de regarder, de comparer, pour le même genre de tasse, tu as envie d'en voir 15. Et c'est vachement flatteur pour l'œil. Lisible, oui. Épuré, si t'as pas assez de pièces, ça risque de faire un peu pauvre aussi, et ça peut être contre-productif. Ouais, je suis Par d'accord, il faut que contre, ça soit plein, ouais. trouver un volume et une harmonie, tu peux mettre une pièce seule très, très en valeur, et après tu vas en mettre 10 plus petites, et les gens, ben voilà, il faut essayer de les attirer, et je sais pas, c'est pas évident. Je suis d'accord avec Nathalie, plus t'en as, plus t'en vends. Ça, c'est un autre dicton encore. C'est sûr. Un stand vide, ça donne pas envie. Je l'ai expérimenté une fois justement au Mans. J'avais moins de pièces parce que devais remplir ma boutique. Et je suis venu avec ce que j'avais. Et honnêtement, c'était pas suffisant, quoi. Et à côté, voilà, il y avait des stands qui étaient très bien remplis, que ce soit de la sculpture ou que ce soit de l'utilitaire. C'est vrai que c'est plus fréquent pour l'utilitaire. T'as du Si t'as du choix, les gens vont être attirés, c'est sûr. Ok,
Donc, on va maintenant parler de vendre ces pièces. Combien est-ce que vous faites de marchés en moyenne par an? Toi, Colline. Alors, maintenant que j'ai la boutique à l'année, je fais à peu près 4 ou 5 marchés l'été. Et les années où j'avais pas cette boutique-là, le max que j'ai fait, je crois que c'était 9 sur la saison d'été. Après, un ou deux marchés de Noël sur un ou deux jours l'hiver. Ok, toi Guillaume? Alors moi, comme j'ai une boutique depuis le début, là en ce moment, je dois en faire pareil que Colline, 4 ou 5 maximum, parce que quand même ça fatigue un peu. Mais la première année ou les 2 premières années, je crois que je devais en faire 15 en comptant tous les marchés. Donc là, c'était de la Ah, c'est folie pas mal, dis donc. juste en été, hein, parce qu'après, il y en avait aussi à Noël. Mais c'était un rythme infernal, honnêtement, c'est pas... Il y en a qui font ça encore maintenant. Je connais un potier et sa compagne qui sont dans la Sarthe et qui en font pareil plus de 30 marchés par an. Enfin, c'est des dingos, quoi. Je ne sais pas comment ils tiennent encore, hein, mais Ben, c'est énorme. Oui, c'est c'est un mode de bravo. vie aussi, je crois. Ouais, c'est ça, c'est bravo à eux parce que c'est physiquement c'est infernal et c'est la production qu'il faut avoir aussi derrière. Faut suivre à l'atelier, quoi. Toi, Nathalie? Moi, un peu comme Guillaume, au début, j'étais tout feu, tout flamme. J'avais envie de tout tester, d'aller partout, de candidater partout. Donc, la première année, j'ai fait plein de candidatures et j'ai été retenue pour 7 marchés. Et bon, les 2, 3, 4 premiers, ça va. Et puis, c'est quand même hyper physique. Moi, je l'ai fait toute seule. Donc, tu montes, tu remplis ton camion, tu pars avec ton petit camion, tu traverses la France, tu démontes, tu dois tenir 3 jours avec le sourire, avec la patate, parce que pour vendre, ben, il faut avoir le sourire, il faut être plein d'énergie, hein, tu vends ton produit un peu, hein. Oui, après, Et ça, comme c'est tu... pas évident non plus, après, d'arriver à vendre son produit aussi au public, c'est encore autre chose, quoi. Je ne sais pas si on est toujours les mieux placés pour vendre notre production, mais bon, ça, c'est une autre question. C'est clair. Et après, il te faut remballer, c'est hyper physique, hein. Vraiment très compliqué. Donc là, je me limite à aller 3, ça serait bien chaque année, parce que je fais aussi des expositions, donc ce serait un bon ratio. Ouais. Mais effectivement, je connais des gens qui en font 15, 20, après, ils te disent l'hiver, là. Ils font Ils n'en plus. peuvent plus, ils arrivent sur les rotules. Hein. Donc, il faut pouvoir s'économiser et le faire au long cours. Mais moi, je m'inquiète beaucoup de comment vieillir dans ce métier en continuant à faire des marchés. Il y a des gens, alors souvent, c'est des couples de potiers qui font ça quand ils ont 60, 70 ans, même. Il y en a, ils ont largement dépassé la retraite, mais ils font toujours ça. Et c'est toujours ceux qui ont le plus de sourire, le plus d'entrain, qui sont toujours prêts à t'aider, alors que toi, t'es un peu plus. Ils ont l'habitude. Ça fait 40 ans qu'ils font Ouais. ça. Je leur tire mon chapeau quand même. Non, ils sont très forts. Avec les marchés, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que vous faites par rapport à votre chiffre d'affaires de l'année? Quel est le pourcentage de rentrée d'argent que vous faites avec les marchés? À toi, Colline. Alors là, je crois que je ne saurais pas te répondre. J'ai jamais regardé. Et puis ça dépend des années si j'avais la boutique ou pas. Maintenant, avec la boutique, je dirais peut-être un peu moins de 50%, parce que la boutique fait beaucoup. Mais avant, c'était plus que 50%. C'était vraiment une grosse partie de ce que je faisais pour l'année, ouais. Mais honnêtement, je n'ai jamais vraiment calculé. Oui. Toi, Nathalie? C'est pas une question évidente parce que moi, souvent, comme c'est des pièces, des sculptures qui sont quand même à un certain prix, je les vends pas forcément sur le marché. Mais souvent, j'ai des commandes qui viennent après, des gens qui m'ont dit, on a vu ça il y a quelques mois, là, on a les sous pour l'acheter. Donc, il y a des répercussions. Je dirais que je fais la moitié de mon chiffre d'affaires sur les marchés et après, beaucoup de commandes. Et des ventes à l'atelier. Ok. Et toi, Guillaume?
La première année où j'en ai fait du coup une bonne quinzaine, j'étais à 50-50, je pense. Maintenant, ça doit plus ressembler à 30-70 pour 70 de boutique. Oui, parce que oui, toi aussi, tu as Moi, ta boutique quoi, en ouais, elle est présentiel. vraiment boutique annuelle, donc ouais, je pense que c'est plus comme ça, ouais. Et donc justement, tu disais voilà, que tu rencontres les gens sur les marchés. Comment est-ce que vous faites pour garder un lien sur les marchés avec avec la clientèle pour après, je ne sais pas, les recontacter? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous prenez des fois leur adresse, leur mail, ou pas du tout? Au final, parce que sur le web, c'est facile en fait, et ils s'inscrivent en fait quand les gens viennent, on a leur adresse mail, donc c'est très facile de ressolliciter quelqu'un. Les marchés, c'est super, on rencontre et tout. Mais comment vous pouvez faire pour garder la trace de ces personnes? À toi, Guillaume. Alors moi je suis très mauvais élève, mais par contre je peux parler des bonnes élèves que je connais. J'ai beaucoup de collègues qui me disent que leur affaire de mailing, c'est-à-dire juste le fait d'avoir un petit carnet dans un coin sur le stand ou sur la caisse au moment où ils payent, si jamais ils ont envie, ils peuvent rajouter leur petite adresse mail ou même leur adresse postale s'ils ont envie de recevoir une petite invitation s'ils habitent pas trop loin. C'est pour juste le mailing. Une collègue me disait que c'était à chaque fois elle remboursait ses frais. C'est-à-dire que c'était minimum sa place, ses frais de bouche et ses frais d'hôtel s'il y a besoin et d'essence. Donc déjà, elle était partie avec juste peut-être une ou deux ventes. Elle avait déjà tout remboursé cette histoire-là juste avec son mailing. Donc elle trouvait ça indispensable et il fallait absolument le faire. Et c'est vrai que c'est indispensable. S'il voulait bien vendre, il faut faire ça. Et si vous êtes sérieux, on va dire. Et donc voilà, c'est tout. Mais oui, il faut, c'est facile à faire, il faut juste le faire. Oui, c'est comme Voilà, beaucoup de choses, quoi. c'est ça. Et toi, Nathalie, est-ce que tu as mis quelque chose est-ce que tu as mis quelque chose en place comme ça? Ou un autre Moi, système, je tu suis pas vois? très formée non plus pour ça parce que j'ai toujours beaucoup de scrupules à revenir vers mes clients en leur disant, tenez, bonjour, j'ai fait ça de nouveau, j'expose à nouveau là. J'ai peur d'aller trop loin. Mais effectivement, depuis peu de temps, je mets une fiche sur mon stand si vous voulez qu'on reste en contact. Donc là, c'est le libre choix de la personne. Je ne suis pas obligée de les haranguer ou de venir les installer. Et après, sur Instagram, souvent, les gens qui m'ont acheté des pièces ou qui ont aimé mon travail s'abonnent à mon compte. Et puis, je publie un peu mes actualités sur le compte. Donc, je dirais que c'est par là, par ce biais-là, que je reste le plus en contact avec les gens qui m'ont rencontré sur les marchés. Et toi, Colline, est-ce que tu as une autre astuce à rajouter? Carte de visite avec mail et puis Insta, mais ça c'est pour me retrouver moi. C'est vrai qu'on m'avait déjà conseillé de demander les mails aux clients qui le souhaitaient, et ça je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que via le site déjà, il y a pas mal de gens qui sont informés. Et il y avait un moment donné au tout début où je faisais des mails aux gens plus ou moins proche de moi, soit que je connaissais, soit qui me connaissaient, qui voulaient suivre. J'avais une mail list un peu de base pour le cercle proche, c'était déjà pas mal. Et après, sur Instagram, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui nous retrouvent comme ça. Mais le mail sur le stand, je pense que c'est une super idée, ouais. Depuis le Covid, est-ce que vous avez vu une évolution des façons de faire, une évolution des personnes, du type de personnes qui viennent sur les marchés, une évolution au niveau de l'achat à toi, Nathalie, ou même pas Covid, tu vois, est-ce qu'au fur et à mesure des années, est-ce que vous voyez une évolution Alors moi j'ai commencé en 2019 donc je suis pas vraiment j'ai pas beaucoup d'expérience mais ce que j'ai constaté c'est que les marchés post-déconfinement ont trop bien marché. Les gens étaient contents de venir, de discuter. Ils avaient trop envie de discuter et j'ai bien vendu sur ces marchés-là, je dirais le printemps 2000 c'est quoi 21 ou jusqu'à 2021 ouais, ça a été tout feu tout flamme. Ouais. Après, je ne sais pas sur une plus longue période l'évolution, je ne peux pas dire. Toi, Guillaume? Moi, je crois que l'évolution, je l'ai vue vraiment notif, hein, vraiment visible
sur des événements qui étaient jeunes, c'est-à-dire, tu vois, la première année, il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était un peu des badauds. Deuxième année, c'était un petit peu mieux. En fait, tu formes ta clientèle au fur et à mesure. Mais c'est vrai que sur des marchés qui sont déjà, on va dire, où la clientèle est déjà formée, où elle sait qu'elle va trouver ce qu'elle va trouver, c'est-à-dire de la belle céramique, eh ben, t'as moins ce travail-là à faire. Voilà, après c'est juste vraiment personnel, mais je trouve pas que avant ou après Covid les clients soient différents, c'est vraiment les mêmes. Par contre, effectivement, comme Nathalie, les marchés, les deux, enfin tous les marchés qui ont suivi le Covid, nous on a organisé un événement des Arts du Feu bah, en septembre 2020, donc voilà, avec les masques, avec tout ce qu'il fallait, tout, il n'y avait pas encore le pass sanitaire, mais on était pas loin de ça. Tout le bazar, eh ben, ça a été un de nos plus beaux marchés. Il y a des marchés en Bretagne qui ont doublé la moyenne. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Oui, les Et gens il y a des avaient marre marchés qui... de rester chez eux, quoi. C'est ça, et je sais pas, ils avaient envie de découvrir autre chose. Ils avaient envie de changer peut-être l'intérieur qu'ils avaient chez eux aussi, parce qu'ils l'ont vu pendant longtemps. Donc, je pense qu'il y avait plein de choses. Le fait de rencontrer, le fait d'avoir mis beaucoup d'argent de côté aussi, ça permet d'acheter des belles choses aussi à un moment. Donc, nous, notre commerce aussi en Bretagne, tout l'été 2021, 2020 d'ailleurs, 2020, a été, je sais plus, ici, on a fait plus 50% de visites dans les Côtes d'Armor, alors que Ouais. c'est un département où personne ne va. C'est le Morbihan et le Finistère, c'est vachement mieux, hein. Revenez en Côte d'Armor, c'est bien aussi. Toi, Colline? Bon, tout a été un peu dit, mais effectivement, le post-confinement, ça a été quand même assez dingue, l'engouement pour l'artisanat, tout ça. Après, je suis installée depuis 2018, donc en fait, je vois aussi l'évolution de mon travail qui impacte sur l'évolution des ventes et sur l'évolution de la clientèle. Donc, c'est de mieux en mieux, mais parce que aussi ma production se peaufine au fur et à mesure. Quand j'ai commencé et que je vois maintenant ce que je vendais quand j'ai commencé, des fois je me dis bon, Et il faut bien mais commencer avec quelque voilà chose, maintenant. tu vois. Ouais. Mais tout Toujours comme à ça. fait. Et en fait, quand j'ai commencé, j'étais à fond et j'étais persuadée que ça allait marcher. Donc voilà, mais c'est vrai que maintenant que je vois que c'est un peu plus peaufiné, abouti, bah, je vois aussi la répercussion sur sur les clients, quoi. Et oui. Les objets s'affinent, les formes aussi, c'est normal, hein. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a toujours besoin de temps. En fait, en céramique, tu as tellement de paramètres à maîtriser pour que tes pièces soit au top, que ce soit la conception, l'émaillage ou après en structure d'autres paramètres. Mais donc oui, tu peux pas tout faire rapidement, quoi. Avant de passer donc à vos retours d'expérience, une dernière question qui a été posée. Alors ouais, c'est comment est-ce que vous vous organisez au niveau de votre production? Par exemple, justement qu'on avait parlé du fait de vendre sur les internets ou vendre en boutique, là c'est vraiment en fait une production qui est en fonction en fait, soit il y a des personnes qui laissent leur e-shop qui est ouvert toute l'année ou comme en boutique, ou d'autres personnes en fait qui vont ouvrir des ventes à certains moments donnés de l'année, mais ça va être plus réparti, on va dire printemps, été, hiver. Au niveau des marchés de potiers qui sont plus ciblés l'été, comment vous faites pour produire? Est-ce que l'hiver est consacré à la production pour après avoir tout le stock nécessaire pour l'été? Comment est-ce que vous faites? À toi, Guillaume. Alors moi, comme j'ai une boutique, c'est un peu différent parce que j'ai du coup mes deux saisonnalités. Bah, enfin, c'est un peu pareil que en vrai si quelqu'un fait des marchés de potiers l'été et des salons l'hiver. Hein. Mais en gros, j'ai l'impression de produire tout le temps parce que en fait, même si c'est des petites ventes, voilà, il y a toujours des choses qui se vendent. En tout cas, en termes de, je parle vraiment de ma production utilitaire là, sur ce coup-là, hein, pas la production. Plutôt sculptural. Et oui, c'est des moments de pause. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment spécifique à la boutique. C'est-à-dire en janvier et en juin, par exemple, c'est des moments où on sait que dans la ville, c'est tranquille. Donc on reste. Enfin, on peut fermer pendant
au moins un mois. Et après tout le reste de l'année, par contre, on charbonne pour tourner. Et du coup, on essaie d'avoir une grosse production. C'est quand février, mars, avril. Avril, on a une petite coupure parce que forcément, on va à Bandol. Et après, c'est pareil au retour de Bandol. On y va à fond. Après, ça dépend des expos, quoi. Quand il y a une expo qui tourne, qui arrive en plein milieu, je prépare l'expo avec les pièces artistiques. C'est tout souvent comme ça. Et après, ça repart en octobre. Hop, on est à fond. Oui, donc au C'est final, cyclique, en fait. t'as pas vraiment de moments vraiment creux dans l'année, quoi. Non. C'est pour ça que je veux quitter la boutique. C'est que, voilà, on est H24 en train de travailler, quoi. Enfin, même si je le ferai aussi à l'extérieur, hein, mais il y aura peut-être des moments un peu plus tranquilles, moins d'ouverture en tout cas. Voilà. Oui. Toi, Colline, comment tu fais? J'ai un peu l'impression de travailler tout le temps aussi, même si c'est cyclique, mais avec une boutique en fond, il faut toujours que. Même s'il y a des moments où clairement on ne vend pas beaucoup, janvier, février, mars, c'est pas le moment le plus. Mais bon, en fait, j'ai déjà en tête les marchés de l'été, donc en fait, je commence à faire ma production, mais juste de manière moins intensive, j'ai moins de pression, mais par contre. Je sais que ce que je ferai là, ce sera du temps dégagé pour préparer tranquillement les marchés et la saison d'été et pas être dans le rush. Mais je dis ça, mais franchement, j'ai l'impression d'avoir mis 3 ou 4 ans à pas être trop stressée avant Noël et avant les marchés. Et là, c'est la première année où, avant Noël, je suis détendue, j'ai pu faire des choses pour moi. Et parce que j'avais pris de l'avance en octobre, mais en fait, sinon, même si c'est cyclique, en fait, j'ai un peu l'impression, même entre les marchés, moi, je fais des fours aussi. Enfin, Ouais, ça. On n'arrête jamais, en fait. ouais. Après, il y a le confort d'être à son compte et de pouvoir faire des pauses un peu C'est quand ça. on veut, mais le rythme fait qu'on l'a quand même toujours un peu dans la tête. Voilà. Et toi, Nathalie? Moi, je suis comme mes compagnons, j'ai souvent l'impression de courir comme un poulet sans tête, à préparer un marché, à anticiper le prochain, à morfondre parce que j'ai pas assez de pièces. Donc, cette année, j'ai décidé que l'important, c'était mon travail. Que si j'avais cette pièce, je faisais des marchés. C'est pas la peine d'en faire 7 si tu peux pas, avoir la production suffisante. Parce que sinon, ça rend malade. Hein. En plus, ben voilà, en ayant des enfants, une vie de famille, je travaillais la nuit, je me levais le matin hyper tôt. On n'a pas choisi ce métier pour ça. C'est Hein. clair. Non, c'est ça, mais après, oui, je pense que c'est un métier qui. Tu vois, là, je pense, la céramique, c'est un métier long, en fait. Voilà, que pour réaliser une pièce, en fait, le processus est long. Tu as quand même énormément d'étapes, énormément de risques aussi de louper à différents moments. Et je pense que c'est ça qui. Tu vois, qui est aussi la cause de tout ce travail. Et il y a quand même beaucoup de céramistes là, qui viennent sur le Café Poterie. Et dans tous les céramistes qui viennent, c'est difficile. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un céramiste qui arrive à vraiment bien gérer son temps de travail. Tu vois, il faut arriver à trouver comment faire pour, avec ses critères, voilà, de cuisson, de réalisation et tout, pour arriver à bien gérer son temps et gérer sa vie à côté, quoi. C'est Il y a clair. des céramistes qui aiment être dans le stress d'un marché, qui produisent super bien 10 jours avant. Et moi, je dois dire que ça me fait perdre tous mes moyens. En général, toutes les pièces que je produis avant un marché, elles sont ratées. Mais en plus, le truc, c'est si ton four te lâche ou si tu as un problème au dernier Voilà. moment, allez. Moi, je connaissais un potier qui arrivait à s'organiser, hein. Mais tu vois, son four l'a lâché, il n'est plus arrivé à s'organiser, hein. Je me rappelle vite fait que, allez hop, répare ton four maintenant. Allez, donc on va en venir aux dernières questions avant la fin, donc les retours d'expérience. Pour vous, la meilleure et la pire expérience que vous avez vécue. Bon, on va commencer par toi, Nathalie. Moi, je vais essayer de mélanger les deux parce que franchement, c'était rigolo. C'était un de mes premiers marchés à Giroussens et c'était au mois de juin.
faisait une chaleur à mourir. J'avais mon stand tout neuf, j'étais bien contente. Et puis le marché a débuté et il y avait un soleil de plomb. Et j'étais en train de cuire comme un homard. Et il fallait quand même faire bonne figure devant les gens, j'en pouvais plus. Première demi-journée, j'étais déjà à moitié violette. Et puis juste à côté de moi, mes voisins de stand ont commencé à voir que ça allait mal tourner. Et ils m'ont prêté un parasol. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment compris ce que c'était l'idée de fraternité, de solidarité, tu vois, sur un marché potier. Et à ce moment-là, je pense que c'est là où j'ai voulu faire partie de l'organisation d'un tel événement parce que ça fait vraiment du bien et c'était marrant. Enfin voilà, j'ai donc et eux, ils avaient leur glacière, c'était Ils des avaient tout vieux prévu. phares de la céramique. Moi, j'avais rien, j'avais pas de quoi boire, j'avais pas de casquette, j'avais pas de barnum, j'avais pas de cale, j'avais pas de terminal semeup, j'avais rien. Voilà, ceux Début. qui ont fait mon enseignement. Toi, Guillaume? Alors moi j'ai eu quelques déboires. La première année, on a déballé avec ma compagne qui n'est pas hyper fan des marchés. Et on a chaque marché en Bretagne. Alors la Bretagne, il fait toujours super beau, sauf quand il pleut. Et là, on a fait tous nos marchés sous la pluie. C'est-à-dire que c'était pas une petite pluie, petit crachin sympa, tout ça, ça s'arrête. Non, c'était vraiment la grosse pluie. Donc merci les caisses en plastique et pas les cartons. Heureusement, à cette époque, on avait quand même les caisses déjà. Mais voilà, c'était bien l'horreur. Mais je pense que vraiment le pire du pire, c'était ce marché au Mans, justement. Ben, je l'ai fait qu'une fois parce que j'ai pas encore osé y revenir. C'est un froid et un vent à décorner des bœufs. C'était horrible. J'ai eu l'impression de perdre des doigts. Donc mes voisins qui étaient hyper calés, eux, ils avaient le petit réchaud avec soit du thé, soit du rhum arrangé. Et hop, on se faisait un petit thé, un petit rhum arrangé, un petit thé, un rhum arrangé. Et ça marchait super bien. Mais voilà, c'est si on n'est pas équipé, qu'on a triple gant, machin, ce marché du Mans-là, soyez préparés. Franchement, prenez des mitaines, prenez tout. Il faut, voilà, il est super, il est hyper agréable, mais pas pour le temps. Voilà. Ok, et ton meilleur souvenir? Et meilleur souvenir, bah forcément à Bandol, hein, même si on se fait rincer, sécher, essorage, rinçage à lavage. Hein. Mais ouais, Bandol, Ouais, c'est c'est ton top. Parce chouchou, qu'il y quoi. a tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Je pourrais vous parler du marché qu'on organise aussi à Lannion. Je pourrais vous parler du marché d'Antibes qu'on a organisé pour la première fois quand on était tout bébé. Mais c'est tous les marchés auxquels j'ai participé, de près ou de loin, chaque fois c'est formidable. C'est formidable. À toi, Colline. Alors moi, la pire expérience, je crois que c'était un marché caniculaire sur 2 jours où en fait il n'y avait personne parce qu'il faisait trop chaud et on était tous à s'asperger d'eau toute la journée, on allait se mettre sous le tuyau d'arrosage et même à la fin, on était tous allongés dans un kiosque à 50 mètres, enfin c'était vraiment... Mais il fallait qu'on reste parce que autant il y avait des gens qui allaient peut-être arriver en fin de journée, puis de toute façon on pouvait pas partir forcément comme ça. Mais alors vraiment, mais j'avais mis 3-4 jours à m'en remettre, c'était épuisant quoi, puis pour pas avoir grand-chose. Les autres moments pas cool, c'était avec le vent, parce que moi je déteste le vent, je pense qu'on aime tous pas le vent quand on a des trucs qui peuvent s'envoler. Mais... Et sinon, les bonnes expériences. Bah déjà, c'était tous les premiers marchés que j'ai faits où il y avait toujours des copains qui venaient m'aider. Ça, c'était bien. C'était qu'au début, mais c'était bien. Et après, le marché de Die, où on mange toujours hyper bien. C'est toujours très, très agréable de bien manger sur un marché. Voilà, les bons souvenirs. Ok. Et pour terminer, la remarque qui vous a le plus aidé sur un marché, que ce soit une remarque d'un passant, une remarque de céramiste, je sais pas, que ce soit sur votre travail, sur... Est-ce que vous avez comme ça des réflexions qui vous ont touché? Ben on va commencer, allez par toi, Guillaume. Aïe, 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 faut que je réfléchisse encore. Il y a plein de réflexions qui arrivent sur les marchés, pas toujours très agréables à entendre.
parce qu'effectivement, on vend des pièces qui sont pas toujours gratuites. Et là, je pense les discussions pour moi qui ont été les plus intéressantes, c'était par rapport à mon travail sur la sculpture, vraiment. Parce que bon, c'était sur deux marchés différents, c'était non trois marchés différents d'ailleurs, mais du coup c'était à Paris, à Saint-Sulpice, et c'était à Quimper, chez nous en Bretagne. Et en fait, quand tu présentes des grosses pièces comme ça, tu as toujours des gens, voilà, c'est un boulot qui est tellement personnel et tellement, on va dire, unique que tu t'as pas du tout les mêmes réflexions que tu as avec les pièces, avec les pots, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, bah voilà, c'est juste des échanges. Qu'est-ce que eux ils ressentent en voyant les pièces? Qu'est-ce que eux ils voient? Est-ce que voilà, c'est proche de ce que tu avais réalisé ou pas du Oui, ça tout? te permet au final de confronter à C'est ça? vraiment te confronter au public. Et quelquefois, ça peut être, ça apporte, et même si c'est difficile, ça apporte quand même toujours. C'est ça. La sculpture, ça a toujours été bénéfique pour moi. Je t'avoue que pour les pots, les réflexions, bah voilà, à part que c'est très joli et que c'est fin, machin, tout ça, tu vois, c'est chouette d'avoir des petites fleurs comme ça, mais c'est vrai que les discussions sont peut-être un peu plus profondes. En tout cas, c'est peut-être vraiment spécifiquement par rapport à moi, hein. Mais pour moi, mes discussions plus profondes étaient par rapport à mon travail artistique, quoi. Ok. Voilà. Toi, Colline? Bah, c'est vrai que des fois, on entend des choses sur son travail comme si on n'était pas là. Je ne sais pas si ça vous Oui, fait c'est ça. ça. On a l'impression qu'ils ne captent pas les gens qu'on est juste derrière. Mais bon, c'est intéressant d'entendre aussi ce qu'ils se disent entre eux. Donc ça, parfois, faut laisser glisser ou le prendre si c'est intéressant. Mais bon, voilà. Moi, ce que... Les retours que j'ai, que j'aime bien, c'est quand on me dit que ce que je fais, c'est lumineux et joyeux, parce que c'est un peu l'idée. Et vraiment, le retour que j'ai qui me reste là, quand j'ai vu la question, c'était cet été, une autre potière qui elle avait, je crois, 20 ans de marché derrière elle et qui m'a dit que, elle trouvait ma production, aboutie et qu'on sentait que ça y est, ça avait pris du corps et tout ça. Et je crois que c'était. Ça fait plaisir quoi. Vraiment, C'est la ouais. reconnaissance, c'est la reconnaissance Ouais. du métier quoi. Voilà. Top. Et à toi, Nathalie. Des remarques, moi j'en ai eu beaucoup, ça m'a énormément servi parce que je suis autodidacte en céramique, donc au début, ben, techniquement, c'était vraiment pas abouti. Et alors là, j'ai eu droit à une avalanche de remarques sur mes émaux, sur le biscuit, sur pourquoi ça cloquait, pourquoi ça faisait ci, pourquoi ça faisait ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai aussi appris à fixer mes prix. Il y a beaucoup de céramistes en fait qui sont venus me voir, qui m'ont dit là, c'est pas, tu devrais mettre plus cher. Tu vois, ça m'a, j'ai pu me situer. Ça, c'était très important. Et après, des remarques rigolotes, ouais, je fais beaucoup d'oiseaux, donc il y a toujours un ornithologiste qui vient pour m'asticoter sur telle espèce d'oiseau. Une remarque qui m'a beaucoup fait rigoler aussi, une fois, un couple qui arrive charmant, des personnes un peu âgées, qui commencent à regarder mes pièces, qui ont l'air intéressées, donc je commence à tendre l'oreille, et puis le mari, il était prêt à en acheter une, et puis... À un moment, ils se sont regardés et se sont dit, non, mais on a déjà assez de saleté comme ça sur la cheminée. Ils sont partis. Aïe. Voilà. Bon, bah, super. Non, mais en tout cas, Ouais. merci beaucoup à tous les trois pour votre partage, pour votre partage d'expérience. C'était super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Il faut juste que j'ajoute un petit truc pour Bandol. Allez, vas-y. Je crois que les inscriptions sont pas encore terminées. Je crois que voilà, c'est un premier marché de l'année qui est hyper sympa, comme vous avez pu l'entendre. Je suis déjà hyper convaincu. Et il reste que quelques jours, m'a dit l'organisatrice, on va dire, qui s'occupe de la réception des dossiers. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur le site du Printemps des Potiers pour Poser la exposer dans cette candidature. belle région que le Sud-Est. Ok, et c'est quand? Tu sais quand est-ce que c'est, Bandol?
C'est au week-end de Pâques, parce qu'il a déménagé de date l'année dernière, mais ils reviennent aux dates originelles, c'est-à-dire courant avril, je crois. Ou c'est différent, enfin ça dépend chaque année, en gros c'est soit mars, soit avril. Ok, Voilà. parfait. Moi aussi, je veux bien faire la promotion du marché du Roussens. Donc, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 décembre. Voilà, tous ceux qui veulent tenter leur chance, on sera très contents de les accueillir. Et donc, si on veut poser la candidature, c'est sur. C'est où? Il y a un site internet, c'est sur Terre Sur et le Terre. site de l'association Terre et Terre, effectivement. Ok. Un formulaire en ligne facile à compléter. Bon, ben super. Bon, ben merci beaucoup. Ben Merci bonne à toi. soirée. Reposez-vous bien et bon courage pour l'année qui arrive. Et pour Merci cette année. beaucoup. Allez, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Oui. Salut.